Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr bonne vidéo. Comme tu peux le voir, j'ai opté cadeau sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un panneau ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu dois mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PSK dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTechSB. Je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Eh bien salut tout le monde, c'est FinTechSB, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, vraiment super bien, comme vous avez vu à l'introduction de la vidéo, on se retrouve sur la toute nouvelle saison de Fortnite, dernière danse comme d'habitude avant de commencer la vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Comme d'habitude, n'oublie pas de tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Voilà, ça fait vraiment super plaisir, #AD, cela me fera vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre, aujourd'hui on va tout simplement débloquer le tout nouveau passe de combat gratuitement sur Fortnite. Voilà, là je viens juste de lancer le jeu, là on va directement commencer pour le débloquer tout ça gratuitement. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour commencer le glitch, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans la boutique Fortnite, soutenir un créateur et là vous allez faire accepter. Une fois que ça c'est fait, vous allez partir dans passe de combat. Là vous allez faire obtenir le passe de combat. Là ça va vous mettre dans l'achat du passe de combat. Là vous allez faire acheter passe de combat. Là, vous allez faire acheter avec 25 niveaux supplémentaires, 2800 V-Bucks. Là, vous allez faire obtenir V-Bucks. Là, ça va vous mettre normalement dans la boutique de V-Bucks. Ce que vous allez faire après, vous allez retourner dans passe de combat. Et là, vous allez faire récompense du passe de combat. Là, vous allez cliquer sur la dernière. Du coup, là, vous allez partir à la page 14. C'est vraiment super simple. La dernière récompense, là, vous allez faire obtenir le passe de combat. Ça va encore vous mettre dans l'achat du passe de combat. Là, vous allez faire offrir le passe de combat. Là, vous allez faire le bouton retour, faire le bouton retour et encore faire le bouton retour. Là, vous allez retourner au lobby de Fortnite. Là, vous allez partir dans vos paramètres. Signalement, signaler un bug ou un joueur ou une île. Là, vous allez faire signaler un bug. Vous allez descendre tout en bas. Boutique, casier ou salon, vous allez cocher la case. Des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas, vous allez cocher la case. Là, vous allez faire refaire la capture d'écran. Vous allez attendre quelques secondes. Là, vous allez faire le bouton continuer et accepter. Voilà, c'est vraiment super simple. Envoi du signalement à Epic Games. Là vous allez faire le bouton fermé. Là vous allez partir dans vos paramètres, juste ici dans la petite tête. Dans code d'opinion, là vous allez cocher non. Et là vous allez faire le bouton appliquer. Dans recevoir des cadeaux, vous allez cocher le bouton non. N'oubliez pas de bien le réactiver à la fin. Du coup là vous allez faire le bouton appliquer. Faire le bouton retour, vous allez retourner dans la boutique d'objets. Là vous allez cliquer sur le passe de combat. Voilà, vous allez monter tout en haut. Revenez en haut, du coup là on clique sur le passe de combat. Là on fait acheter le passe de combat à 950 V-Bucks. Obtenir des V-Bucks pour acheter le passe de combat. Ce qu'on fait, on retourne dans le lobby. Et là on fait juste ici dans les paramètres. On retourne dans les paramètres où on a été juste à l'heure. Et là on fait dans code d'opinion et dans cadeau. On fait tout activer les options qu'on vient juste de désactiver. On fait le bouton retour. Et ce qu'on fait après, on reclique sur le passe de combat. Obtenir le passe de combat. Obtenir le passe de combat et 25 niveaux supplémentaires. Ça va encore vous mettre dans la boutique de V-Bucks. C'est ce qu'on a à faire après. C'est juste de quitter Fortnite et de relancer le jeu. Une fois de retour sur Fortnite, comme vous avez vu, on vient de simplement d'obtenir le tout nouveau passe de combat gratuitement. C'était FinTechSB. Comme d'habitude, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. C'était FinTechSB. Allez, ciao tout le monde.